Vérité. Silo. Vérité. Bon, on parle aujourd'hui de la lumière blanche, mais avant cela, il y a eu d'autres lumières, non? La lumière rouge, la lumière violette, la lumière blanche. C'est tout simplement une dérivation de l'illumination. La lumière est là pour éliminer un aspect. Et vous savez qu'il y a même des maladies, même au niveau de la médecine, qu'on ne touche pas un type de rayonnement, un type d'illumination, et pas là. Dieu nous amène à comprendre qu'il y a des maladies qu'on guérit par illumination, par rayonnement, ainsi de suite. Mais il faut des appareils. Alors qu'avec Dieu, on peut avoir en nous la lumière originelle qui touche. La différence entre la lumière, le comportement de la lumière selon la volonté de Dieu et la lumière artificielle avec les machines, c'est que quand c'est la lumière qui vient de l'esprit, il y a d'abord la description de la cible, il y a le texte de la Bible, de la cible, quel type de lumière faut-il injecter par la cible, est-ce la lumière rouge, est-ce la lumière violette, est-ce la lumière grise, puisqu'il y a plusieurs types de lumière, et à partir de là, quand on a fait le contour de la cible, on dégage donc un type de rayonnement, appelons tout simplement un type de rayonnement qui pénètre selon l'intensité de la gravité. Et à ce moment-là, Dieu nous donne tout simplement de comprendre, comme on l'a dit hier, qu'il faut beaucoup de sagesse, de connaissance et de discernement. Et par conséquent, nous pouvons dire que oui, il s'agit d'un cancer en phase terminale. Or, l'émotion qu'on va dégager par un cancer en phase terminale n'est pas la même que s'il s'agit d'un début du cancer. Et même s'il s'agit de la lumière blanche, nous savons que oui, il y a plusieurs articulations dans la lumière blanche. Oui, il y a plusieurs utilisations par rapport à la lumière blanche. Mais nous savons que le principe demeure le même, c'est-à-dire les aspects se touchent, les aspects s'interpénètrent, les aspects ont des articulations complémentaires et on peut donc dire que tout dépend de la sensibilité. Et Dieu vient de rappeler que dans une forme d'utilisation de la lumière, ça peut être par rapport aux ondes de forme, ça peut avoir une nécessité. La naissance des ondes de forme en triangle, en cadre, en arc de cercle, ainsi de suite. Et par contre, le niveau de notre joie, si c'est le trait par rapport à une cible, il faut donc un certain type de joie, un certain type de sympathie. Ce n'est pas parce que nous avons appris qu'il faut utiliser la lumière qu'on va se mettre à utiliser la lumière n'importe comment. Il faut qu'il y ait une corrélation entre l'état de notre âme et la cible. Et entre la cible et l'état de notre âme, il faut qu'il y ait une mesure. Et quand nous avons de la mesure, nous savons donc comment graduer l'énergie à déployer. Ça peut être que nous devons être en silence. Ça peut être que nous devons être sous une musique. Ça peut être que nous avons d'un autre type de lumière et à partir de là nous sentons en extase, nous sentons en nous l'état, on peut être en état gamma, on peut en être en comment dirais-je, il y a plusieurs possibilités et on peut être en situation d'âme de cela
Et à partir de là, on peut dire que oui, nous étions presque dans un état second. Et la lumière est sortie d'elle-même. Elle a pu apprécier le contour de la cible. Et ça peut former des ondes de forme, comme je veux, des ondes de forme. C'est-à-dire, ça peut être à telle enceinte qu'on pique en direct. On fait le contour en triangle, en cercle et autres. Donc, il y a des milliers, comme Dieu vient de le dire. Avec la même lumière, il y a des milliers de types d'applications. Puisqu'on peut dire, oui, c'est du congelé, c'est du chaud, c'est du frais. Donc, l'état même de la cible, la température de la cible, les compilations de la cible motivent divers types d'attaques. Et on peut dire par là qu'en réalité, il y a des états, ou même si nous devons utiliser la lumière, mais nous devons avoir beaucoup d'amour, puisque c'est aussi l'amour qui nous aide à avoir un type de concentration, un type de discernement, un type de paix, un type de sagesse, ainsi de suite. Et la réalité veut qu'en une seconde, nous pouvons utiliser 5 types d'approches. Approche complémentaire, et à partir de là, on peut dire que oui, pourquoi est-ce que lorsque tel prix, lorsque tel dégage une lumière, ça agit beaucoup plus vite que lorsque c'est plutôt un tel. Et pour, comme je l'ai toujours rappelé, on observe un homme de Dieu et on se rend compte que l'homme de Dieu n'arrive pas. Et puis se met à opérer des miracles. On dit toujours louange et adoration. Et pendant que vous êtes en louange et adoration, ça dégage des ondes de forme, ça dégage des états d'émotion, ça dégage des situations, ainsi de suite. Et à un moment donné, vous sentez que c'est le le plus propice pour dégager un type d'énergie et pour agir, puisqu'on ne guérit pas les kisses comme on guérit les myomes ou bien le paralytisme. C'est-à-dire que chaque état correspond à un type d'émotion et à un tout un temps correspond une nature, ainsi de suite. Donc, c'était là juste l'introduction pour ne pas vous dire que oui. Tout à l'heure, on va lire les articulations de la lumière blanche. Donc, j'aime. Non, tu ne vas pas seulement écouter toi-même que tu aimes telle ou telle articulation. Tu lis de façon neutre, de façon naturelle. Et tu sens le saisissement par rapport à telle articulation. Et ce saisissement qui peut être complémentaire, c'est-à-dire que tu peux avoir un premier niveau, un deuxième niveau, ainsi de suite. Tu as un état spécifique et c'est cet état spécifique qui te donne un tonus particulier qui te permet donc d'aller avec assurance, parce que si tu te précipites, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu risques de t'égarer, alors que ici il est question d'être dans une paix maximale, de recevoir un tonus du Verbe de Dieu, ainsi de suite, et après on a donc un bon résultat. Donc, comme d'habitude, on va d'abord lire le thème, elle va lire le thème posément et vous devez suivre aussi la lecture du thème et chacun a été touché par un ou tel autre aspect du thème et à partir de là, vous dégagez ce que vous avez le plus marqué et on va donner des astuces ou des explications pour qu'on puisse savoir comment s'en servir. Bon, on peut passer la parole. Bonjour à tous. Oui, nous allons faire la lecture sur le thème important sur la lumière blanche. Sur le 17 juillet 2022.
La lumière blanche, c'est l'une des particularités du souffle saint. Elle est le rayonnement dans l'absolu. Elle est interférence contre la véritable magie noire. Elle fait corps avec notre corps éthérique lors de son déploiement. Elle agit à large spectre sur notre corps, l'âme et l'esprit du patient. Elle agit à large spectre sur le corps, l'âme et l'esprit du patient. Elle va même au-delà de la vitesse du son et de la lumière. Il n'est pas facile de l'utiliser car elle fait corps avec les âmes pures et vraies. Elle touche tous les aspects de l'être en une fraction de seconde. Elle est capable d'être déployée pour des cas de résurrection. Sa combinaison avec la lumière rouge est une bombe. La lumière blanche est expression de la vertu dans l'absolu. Elle ne se laisse pas inviter n'importe comment lorsqu'elle est sollicitée. Il faut avouer qu'elle est de forme 1 avec l'unicité en personne. Il faut avouer aussi qu'elle secoue celui qui l'utilise s'il n'est pas suffisamment élevé spirituellement. Elle peut également s'appliquer sur des cas de folie. Il faut relever également qu'elle se duplique en 9 teintes bien précises. Elle est la combinaison des planètes Jupiter et Pluton. Elle est et demeure un souffle qui ne s'invite pas selon notre désir, mais uniquement selon la nécessité ou un cas de volonté de puissance. Elle est toute discrète et ne se laisse pas ressentir comme les autres souffles. Elle est pourtant autour de nous sans que nous ne le sachions. La lumière blanche permet d'entrer dans le monde des symboles pour un cas urgent. Sois pur et elle sera ton allié. Sois pur et elle sera ton bouclier et te rendra davantage sage. Elle est la combinaison de l'atome d'hydrogène, du souffle des profondeurs de la voie lactée et de l'atome de vie primordiale. Elle est la combinaison du bleu, du fuchsia et du jaune. Si sur le plan subtil, tu sais à quoi renvoie cette teinte, tu comprendras mieux pourquoi est-ce qu'elles font également partie de sa combinaison. Reçu par Léocadie Sandrine. Amen. Oui, il y a Georges qui va venir. Bonjour, Silo. Bonjour. Oui, j'ai deux questions. Ma première question est celle-ci. Elle peut également s'appliquer sur des cas de folie. Je voudrais savoir comment est-ce que on peut l'appliquer pour réussir les cas de folie. Et il y a aussi... Ok, merci. Effectivement, je vous ai dit, dès que nous allons démarrer cette retraite, qu'il ne s'agit pas de la littérature. On ne se moque pas de la littérature. Il ne s'agit pas de spéculation non plus. On peut spéculer en vue des résultats. Donc, c'est notre âme, c'est l'ensemble de nos dispositions qui constitue un attrait, qui peut être une volonté de plus. Et de dire tout simplement, la lumière blanche peut être utilisée en cas de folie. Non, il y a une émotion, une cadence, une vitesse précise. Ils sont vous dit qu'ici, dans le thème, que la lumière, le rayonnement de la lumière blanche va plus vite que le son et la lumière ordinaire. Donc, ça veut dire que la lumière blanche va en réalité beaucoup plus vite que le son et la lumière ordinaire. Et c'est pour cela que face à donc, un cas simple. Vous voyez que celui qui soigne le fou, comme on dit habituellement, le fou lui obéit, non? Le fou lui obéit parce qu'il utilise un type de rayonnement, entre autres la lumière blanche. Et à ce moment-là, c'est cette lumière qui se garde de l'opérateur et la couvre la personne qui a sa folie. Et non seulement ça,
Il faut pas non plus être naïf. Quelque chose doit sortir de celui qui est entraîneur ou bien conditionnaire pour soigner la folie. Quelque chose dont sort de lui, pénètre ou recouvre le fou, et le fou est touché autrement, et à partir de là, sa folie obéit à l'opérateur qui va venir à bout, totalement ou partiellement, de cette folie. Bon, je crois que bon, vous pouvez poser la deuxième question maintenant. Oui, la deuxième question, elle est capable d'être déployée pour des cas de résurrection. Et je repose la même question, quelle est la procédure pour que la résurrection puisse être palpable et vraie? Bon, s'il faut parler de la procédure, ça dépend des personnes, ça dépend aussi des astuces. Dans le cas le plus célèbre de la Bible, Lazare, n'est-ce pas? Quand l'ami de Jésus-Christ appelé Lazare est mort, il est en mission et il est au courant que son ami est mort. Il aurait pu arrêter sa mission et aller vers son ami. Agit quand son corps est encore assez chaud. Il ne l'a pas fait. Il a continué à travailler, non? Il est venu quand le corps sentait déjà mauvais. C'est ça, à quoi il dit, bon, si tu avais été là, tu l'aurais ressuscité. Donc, une autre personne dit que non, il faut attendre le jour de la résurrection, c'est-à-dire la fin des temps. La résurrection n'a rien à voir avec la fin du temps où Jésus-Christ reviendra, jugera et ressuscitera les âmes. Bon, il ne s'agit pas de cette résurrection-là. Il s'agit par exemple de Lazare qui est mort. Jésus sait bien qu'on lui a dit qu'il est mort. Il se sent même déjà mauvais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'amène. Et il voit ce qu'il y a dans la tombe, il voit l'attitude du corps de Lazare, et il sent qu'il faut agir. Et comme c'est un corps qui est pris, comme c'est un corps qui sent mauvais, il utilise tout simplement la méthode forte. Et c'est pour cela que dans la Bible, il dit, il créa d'une voix forte, Lazare. Vous comprenez? C'est-à-dire l'autre est mort, mais il sait que s'il lui parle mollement, il ne comprendra pas. Il peut même comprendre. Mais Jésus-Christ démystifie la situation en tournant, en parlant fort. Et ça pénètre le corps déjà mort. Parce que si on agit mollement sur ce corps, ça n'aura pas les mêmes réactions. Donc il tourne, il parle fort. Et la lumière de Jésus-Christ pénètre le corps qui est déjà mauvais. Et à une fraction de seconde, vu la propulsion, vu la lumière, vu la cadence de l'injection du tonus qui doit susciter la résurrection, il y a résurrection. Donc la résurrection ne s'opère pas n'importe comment. Et on ne parle pas de processus. Bon, là, c'est peut-être l'aspect élémentaire. Quand on parle toujours, donne-nous le secret. Non, c'est pas à la situation que le secret spécifique se révèle à toi. Si tu veux, reste là à dire que tu veux attendre le secret, même les sorciers qui ont les secrets, même les magiciens qui ont le secret, bon, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les corps qui agit, c'est le génie qui est derrière les corps ou c'est le génie qui est dans les corps qui agit. Est-ce que c'est parce que tu as l'école que cela agit? Non. Il y a un conditionnement par rapport à l'école, par rapport à tout ce que tu as comme avéché de conditionnement. Et nous disons donc qu'en cas de situation, le corps sent, c'est-à-dire en réalité, c'est le processus, tu es concentré, toi, Georges, par rapport à une situation, la situation se révèle à toi et ton corps réagit, c'est-à-dire qu'il y a ton corps qui reçoit une commande et ton corps doit donner une réponse à la commande
est encore réagi en fonction des données réelles de la commande. Et si le corps doit utiliser donc la lumière blanche, c'est conditionné d'une certaine façon, c'est-à-dire la lumière blanche qu'on utilise pour la résolution n'est pas le même type que si c'est pour une simple guérison. Merci. Amen. Bonjour, Sion. Bonjour. On dit ici, il faut avoir aussi quel secours celui qui l'utilise s'il n'est pas suffisamment élevé spirituellement. Comment savoir que nous ne sommes pas au niveau où nous devons utiliser cette lumière blanche dans l'action? Parce qu'on a dit que c'est cool. Ça veut dire que, comme vous avez l'habitude de dire, avant d'invoquer le feu, sache que ce feu doit passer par toi pour atteindre celui dont tu es en train d'assister. Et on dit qu'elle est tellement puissante que si tu n'es pas élevé spirituellement, toi-même tu risques d'abord te renverser devant la personne pour qui tu invoques cette lumière pour pouvoir aider. Comment faire? Comment savoir que tu es au niveau où tu peux déjà... Ouais, c'est la suite de la réponse au questionnement de Georges. Donc on te dit, voici ce qu'il faut faire pour ressusciter, non? Tu arrives, bon, tu récites ce qu'on t'a dit pour ressusciter. Et à partir de là, tu touches la lumière de la résurrection, la lumière dans, et la lumière peut te demander qui a-t-il entre toi et moi. Et ça te secoue pas. Pardon, qui est là? Ce n'est pas à ton niveau, comme vous aimez dire. Donc, en réalité, il y a un va-et-vient. Vous comprenez simplement, comme il vient de le décrire, il y a un va-et-vient entre la situation de résurrection, toute autre situation, et toi. C'est-à-dire, il y a un va-et-vient, c'est quand le corps ressent le travail à mettre en œuvre pour un résultat donné, il se prépare. Ou bien, il y a déjà par suite d'entraînement, ou par suite de grâce, ou par suite de la présence du Saint-Esprit en nous. Il y a en nous quelque chose déjà fécondé qui va réagir par rapport à une situation dans de nous. C'est-à-dire, il peut y avoir de nous à la situation, de la situation à nous. Et ce va-et-vient nous permet de doser le type d'énergie qu'il faut entreprendre pour agir. Il est sûr, c'est vrai que c'est toujours avec la lumière blanche qu'on agit, mais il faut être préparé. Et préparé ne signifie pas seulement être dans l'état de jeûne, de ceci ou de là. Oui, on peut jeûner, mais jeûner, c'est pour se préparer, tout simplement. Prier, c'est pour se préparer. Mais comme je le dis très souvent, quand Jésus-Christ à la synagogue, lecteur, il dit, il arrive un passage qui le concerne en bas, et bien, puisqu'il ne lisait pas à la bandière d'un lecteur ordinaire. Il lisait en comprenant ce qu'il lisait. Il lisait surtout en sentant ce qu'il lisait. Et c'est pour cela que lorsque ça arrive sur ce qui lui est conforme, il le ressent. Et c'est pour cela qu'avant d'utiliser tel ou tel de lumière, il faut déjà que nous ayons la grâce d'avoir l'éveil, d'avoir aussi en nous l'installation des données par rapport à la lumière blanche, puisque nous ne pouvons extérioriser que ce que nous avons déjà en nous. Dans l'autre terme, on a dit les sens, n'est-ce pas, sont modulés, et pas seulement les sens sont modulés d'une certaine façon, et quand c'est modulé, il faut que ce soit exprimé, et on n'exprime pas le verbe. Donc le verbe exprime ce qui est déjà apprêté, et ce qui doit être exprimé doit être apprêté. Donc il y a toujours une cadence en bas et bien pour qu'on n'agisse pas au hasard. Et ceux qui croient qu'ils doivent seulement chanter un matin, il dit il y a l'attraction et l'attraction, il y a la volonté de puissant, il y a la volonté de puissant. Et c'est pour cela qu'il y a toujours la phase préparatoire. Et si nous sommes ici à la retraite, ce n'est pas le feu du hasard. Et c'est pour ça, tout concernant, le Saint-Esprit me dit, voici, je fouille dans ses épaules, dans son corps,
pour voir s'il y a encore des empreintes d'asticots ou des mauvaises choses, je vais les retirer et je vais les brûler. Et même si au sommet de la tête, il y avait quelque chose comme une espèce de grenouille qui la distrayait, qui lui donnait d'être à l'envers de sa propriété, la lumière blanche, maintenant conduite par la suite d'absolu du souffle saint, comme il a été dit au début, t'oriente véritablement. Et on anticipe aussi sur cet aspect-là pour, dire, pour parler de la, du souffle saint. Et quand on voit le souffle saint dès le début, on peut se demander est-ce que ce thème a été rédigé pour le souffle saint? Non, et non. Mais... Bonjour, Silo. Bonjour. On peut dire ici, c'est l'une des particularités du souffle saint. Et par la suite, plus loin, on dit elle ne se laisse pas inviter n'importe comment lorsqu'elle est sollicitée. Plus loin encore, on dit qu'il faut révéler également qu'elle se duplique en 9 teintes bien précises. Et après, on dit qu'elle est toute discrète et ne se laisse pas ressentir comme les autres souffles. Mais elle est, vous êtes l'incarnation pure et dure du souffle saint. Ça, tout le monde le sait. On dit que la lumière blanchée est une particularité du souffle saint. Votre tableau ici, la lumière a plusieurs teintes. La lumière blanche se duplique en 9 teintes bien précises. Et à la fin, on dit qu'elle est discrète et ne se fait pas ressentir n'importe comment. Ça veut dire si elle ne se fait pas ressentir n'importe comment, ça veut dire aussi elle ne se fait pas ressentir par n'importe qui et elle ne s'invite pas à n'importe qui. Elle est, on dit, sois pure, elle sera ton alliée. Et revenant à vous, vous avez déjà toutes ces vertus-là. Ne serait-ce pas par hasard cette lumière blanche sur votre photo qui a plutôt voulu nous montrer clairement qu'elle est réellement avec vous et qu'elle fait corps avec vous puisque nous ne parvenons pas à la percevoir parce que nous sommes impurs. Déjà, un, nous sommes impurs. Deux, nous ne nous comprenons pas. Trois, nous sommes tellement discrets que même quand elle passe, on ne la voit pas. Est-ce que ce n'est pas elle qui a voulu nous faire voir que bon, me voici. Je suis à côté de vous tout le temps. Même si vous ne me voyez pas, chaque fois que vous allez regarder cette photo, souvenez-vous que je suis là. N'est-ce pas par hasard ça peut, j'aimerais comprendre davantage. Merci. Oui, effectivement, vous savez que l'impur commence par sentir qu'il y a incompatibilité entre vous. Et à partir de là, il y a une possibilité où Dieu peut nous donner donc de comprendre qu'il y a neuf teintes. Ça veut donc dire qu'atteindre la profondeur de la lumière blanche n'est pas d'un trait. Il y a neuf teintes. Et les neuf teintes sont complémentaires, comme je le dis toujours, mais il faut commencer par comprendre qu'il y a neuf teintes. Et progressivement, l'idéal, c'est de maîtriser les neuf teintes. Je suis là enseigner au palais de la lumière blanche. Pour transmettre la lumière blanche, il faut avoir la capacité de comprendre la globalité de la lumière blanche. Et à partir de là, tu sais que pour telle personne, c'était une telle autre personne, c'est telle autre teinte. Et tu peux arriver devant une personne qui est tellement dans la poussière, qui est tellement voilée, que la personne peut se demander est-ce qu'il y a une possibilité un jour d'être débarrasser de toutes ces méthodes et de pouvoir agir et pour nous pouvons dire qu'en réalité il y a trois grandes possibilités. La première possibilité, c'est que la personne recherche à s'arranger. La personne recherche une nature assez pure et à partir de là, la nature l'observe et lui vient en aide. L'autre chose, c'est que la personne peut un jour recevoir la grâce, c'est-à-dire une lumière ou une vertu de la lumière blanche qui vient directement des cieux, nous touche en profondeur et à la manière du sol, nous sommes frappés, éblouis par la lumière. Et comme elle a demandé, bon, c'est-à-dire que la photo là a été, c'était sur soit d'un coup je m'arrêtais à sortir pour un événement et c'est un ministre qui a demandé est-ce que je peux prendre une photo sur vous. Et
la personne avait la photo. La photo qui a soi est beaucoup plus claire. Et quand il est parti pour la reproduction, il a constaté que plus on voulait agrandir, ce n'est que la lumière qui s'agrandissait, mais le reste refusait de s'agrandir. Donc, pour cette photo, Dieu n'a pas donné la possibilité qu'on fasse facilement la photocopie. C'est pour ça que ça paraît simple, sombre. Mais l'autre qui a soif, quand vous arriverez à soi, elle est beaucoup plus claire et c'était une démonstration. Par rapport à la démonstration la plus pure, c'est celle du 25 janvier 2018, quand on était à la télévision, n'est-ce pas, Cana cette harmonie, on parlait donc, c'était donc le miracle. Et pendant que je parle de ce miracle, le miracle s'était dessiné. Et le même jour, c'est à Paris que la voix de Jean-Daniel a fait le film pour nous renvoyer. Et même ailleurs, vous savez qu'une personne a dit, une personne connue de Madeleine, et qu'elle a appelé son homme d'appel. Vous qui dormez là, nous sommes seulement sympathisants du ciel. Nous-mêmes, nous sommes en train de voir la lumière que des gars qui sont de votre foyer de lumière. Il a dit, regardez, c'est en train de sortir. Et quand vous regardez maintenant la photo, vous voyez que je me suis juste entendu comme ça devant. Mais est-ce que c'est celui-ci qui est en train de parler? C'est bien moi qui était en train de parler. C'est le miracle, mais quand vous regardez la photo, vous dites, mais celui, il est en train de méditer. Ou bien il est à la télévision en train de parler. Vous comprenez par là que dans la nature réelle, on peut avoir un instant qui s'étend à l'infini. Et à partir de là, on a les neuf teintes. Et puis on va vous transmettre une des cartes sur les neuf teintes. Et les neuf teintes, on peut dire il y a des procédés simples. Un, Dieu peut décider d'envoyer un type de teinte à tel. Deux, la nature peut décider, au sens là, de vous, d'espérer une teinte. Et la faute Jean d'Or, lui qui est vraiment incarnation, du soutien. Lui aussi, à un moment donné, peut se sentir que non, tel a besoin de la lumière, d'un type de lumière. Et quand il le ressent, il sent que si tu te fais aborder, il te délègue directement le type d'énergie. Et il te stabilise sa conscience et te transmet l'énergie. Donc, ça peut se faire. Ça se fait, mais sauf que très souvent, quand on est distrait, puisqu'on dit qu'il ne faut pas être distrait, non? Quand vous êtes distrait, c'est difficile, mais quand vous n'êtes pas distrait, vous recevez. Et comme on a dit qu'après les autres, c'est votre tour. Profitez donc de la lecture de ce thème pour être moins distrait. Et plus on va constater que vous êtes moins distrait, plus on va vous déléguer l'énergie, transmettre l'énergie qui ne se tient que lorsqu'on n'est pas distrait. Mais plus on est distrait, inversement des formules, plus on va attendre, et ça risque de durer trop longtemps. Alors, pour le premier principe, c'est simple, il faut être plus, il faut être moins distrait. Merci. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Oui. Ici, on dit qu'elle ne se laisse pas inviter n'importe comment lorsqu'elle est sollicitée. Et ma question à vous, c'est que j'aimerais savoir à quelle posture notre être peut-on l'inviter pour qu'elle accepte s'inviter à nous. Merci. Sinon, de la nature de cette lumière paisible, radieuse et lumineuse.
Et à ce moment-là, nous disons que nous devons rechercher en termes simples un peuple de joie. Et plus vous êtes dans la joie, c'est que vous avez besoin de ceci ou de cela. Et à partir de là, la joie invite la lumière blanche à vous visiter la paix à un niveau élevé, sans que vous avez besoin de complémentarité. Elle invite la complémentarité. Donc, il y a plusieurs situations susceptibles d'amener vers nous l'essentiel de la lumière blanche ou de toute forme de lumière ou de toute forme de choses qui viennent directement de la tombe divine. Donc, ça veut dire que la nature est prête, la nature nous attend et nous devons nous disposer et ne plus être n'importe, dans l'agitation. Si vous voulez, dans l'ensemble, quelle que soit le type de lumière, on n'a pas besoin de bruit. On n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'agitation. Il faut être dans la joie, il faut être calme. Et à partir de là, la nature elle-même sait ce dont vous avez besoin. Et la nature s'invite à vous. Et quand la nature s'est prête à vous, vous faites corps. Vous êtes ensemble, vous êtes la même chose. Et par conséquent, notre sœur, qui vient de lire le thème, c'est elle qui a reçu le thème, elle n'a pas voulu une disposition particulière, elle a seulement senti que, oui, j'ai reçu le thème. Qu'est-ce que j'en fais? Rédiger le thème. Et quand on dit régir le thème, ça fait partie de l'autorité, non? Qu'il lui confère une volonté de puissance, et à ce moment-là, il lui faut seulement, elle le papier, elle est dans un état, elle n'est plus elle, mettons Sandrine, elle est une nouvelle, une personne qui est là entière, et thème, et rédige le thème, elle n'a pas ajouté, elle n'a pas vu. Si elle a fait ça, n'envoyez pas seulement la porte Jean d'or. Vous aussi, c'est une réponse singulière. Si vous êtes dans un état particulier, la nature dans sa condescendance s'invite à vous. Et on peut dire que c'est magique, mais la nature du Saint-Esprit est au-delà de la magie, au-delà de la sorcellerie, et à partir de là, vous pouvez dire, comme avec Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et Jésus-Christ ne dit pas seulement lève-toi et marche. Il sent lui aussi quand c'est le moment propice de dire à la personne lève-toi et marche. Et à ce moment, la parole de Jésus-Christ pénètre la personne et accompagne d'un type d'énergie proportionnelle au problème, à la résolution du problème. Merci. Bonjour Silo, bonjour apôtre. Bonjour. Apôtre, s'il vous plaît, si je me trompe, je vous prie de me corriger. Bon, il y a cette qui m'a attiré mon attention. On dit qu'elle touche tous les aspects de l'être en une fraction de seconde. Étant donné que dans d'autres points, on dit elle est discrète et ne se laisse pas ressentir comme les autres souffrent. Comme notre sœur, la prophétesse Flore, aussi dit, il faut avouer aussi qu'elle secoue celui qu'il utilise s'il n'est suffisamment élevé spirituellement. Moi, je comprends alors par là, en disant qu'elle touche tous les aspects de l'être en une fraction de seconde, ça veut dire que en touchant tous les aspects de notre être, ça nous prépare à mieux la ressentir et à mieux l'exprimer. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai compris cela. Sinon, elle touche tous les aspects de notre être. La première approche, la plus logique, c'est que sachant qu'elle touche tous les aspects de notre être, il faut être entier. Pour même apprendre à utiliser la lumière, il faut être entier. Il faut être discret. Il ne faut pas être distrait. Il faut être concret. Il faut être prêt.
et savoir que ça touche tous les aspects de notre être, ça ne touche pas un aspect et ça laisse tel autre. Donc c'est tout notre corps, c'est-à-dire notre âme est touchée au même moment, notre esprit est touché au même moment, c'est-à-dire le corps, l'esprit, l'âme, c'est au même moment. Et quand c'est au même moment, alors au niveau de l'application, ça dépend donc de l'objectif à atteindre. C'est global, plus spécifique. C'est-à-dire que la pas seulement sur la nuit blanche, mais toute forme d'énergie spirituelle, toute forme d'énergie de ceci ou de cela, c'est quand c'est entier, c'est quand nous sommes entièrement attentifs que nous pouvons recevoir cela. Par exemple, quand Jésus-Christ m'a permis d'entrer en tant que nanoparticule, puisqu'il m'a dit, laisse la nanoparticule de scientifique tranquille. Utilise ta part, utilise donc ta part. Entre, approche-toi. Je m'approche, il dit, entre. Tu n'as pas à te demander comment. Et bien, si tu m'as c'est que se pose trop de questions. Il t'a dit, rapproche-toi, tu t'approches. Le reste ne te regarde pas. Entre. Si tu te mets à regarder à gauche, à droite, tu es hors sujet. Il te dit, entre. Tu entres. Tu es dans le corps et tu sens que tu es dans le corps et tu sens que tu es un bâton. J'avais mon bâton. Il dit, regarde ton bâton. Regarde si tu es prêt. Il te dit, bon, voici. Agis. Étant dans le corps, tu es particules, nanoparticules, mais dans une cellule, tu es aussi, en tout cas, tu es entier. Tu sens que tu as ton bâton à tel endroit, dans telle cellule, tu as ceci, dans telle cellule, tu sens que tu es entier, tu sens que tu as, en tout cas, tu respires, mais tout ça est dans une nanoparticule. Alors que Dieu, à partir de là, c'est que c'est quand tu es entier. Je crois que vous comprenez le vous aussi, quand vous aurez l'appel vrai de Dieu, sachez qu'il faut être à ce moment-là en Dieu. Cependant, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu, au moins, nous vous préparons à être en Dieu. Et ce n'est que notre tâche. Mais, on profite donc de l'occasion pour vous dire que le plus souvent, l'émission est facile. La réception est excessivement difficile parce qu'on se met à se poser trop de questions superflues. Mais si vous êtes entier, la réception, l'émission entière, la réception entière, l'application entière, et vous êtes surpris par les résultats excessivement rapides, plus rapides que le son est là, et la lumière est à partir de là. Vous pouvez être véritablement en profondeur dans la lumière qui nous rappelle qu'elle est à l'aise quand elle est dans sa forme ectoplasmique, c'est-à-dire quand elle va toucher l'ectoplasme, quand elle va toucher les noyaux de l'être, quand elle va toucher le subconscient, la conscience, ainsi de suite, au même moment, et à partir de là, nous savons que selon la nature originelle, sans la lumière blanche, nous devons être tous des savants, mais nous perdons en réfléchissant, en nous posant trop de questions aberrantes, alors que la lumière blanche nous invite et nous dit que si véritablement nous apprenons ou bien nous réapprenons à méditer, ne serait que 10 minutes chaque jour sans penser à autre chose, est-ce que j'ai mangé? En tout cas, on se pose trop de questions inutiles, mais la lumière nous rappelle que si chaque jour nous avons une méditation de 10 minutes, une méditation entière à partir de notre ectoplasme, elle revient sur l'ectoplasme, va être fécondée à moduler autrement et à partir de là, de façon même dite inconsciente, nous pouvons opérer beaucoup de miracles. Merci, Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et un coucou à tous les internautes.
Apôtre, je dois avouer que bien avant le 17 juillet 2022, je n'avais pas pu exister une catégorie de lumière, c'est-à-dire une pluralité de lumière. Cependant, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez parlé de deux grands groupes, la lumière naturelle et la lumière conjoncturelle. Vous êtes entré dans les détails. Ce que je remarque ici, apôtre, autour de nous, que ce soit des hommes politiques, dans le milieu spirituel, notre entourage, c'est-à-dire nos familles, on a tendance à... Les personnes ont tendance à présenter des aspects d'anneaux. Et la Bible nous parle ici de Satan qui est un ange de lumière. J'aimerais savoir, apôtre, la différence qui existe entre la lumière de Dieu et la lumière de Satan. Et quelle est l'erreur à détecter justement entre ces deux lumières, de telle sorte que face aux hommes politiques, spirituels ou notre entourage, on ne se laisse plus berner. Parce que très souvent, apôtre, on embrasse des personnes, mais c'est avec le temps qu'on se rend compte que, hey, on a manqué de discernement et ces personnes révèlent leur vraie nature. Sinon, oui. Si on veut répondre vraiment terre à terre, la lumière divine, elle est pure, elle est sainte. Elle apporte beaucoup de paix. Elle apporte beaucoup de joie. Alors que l'autre lumière dont tu parles là, la lumière de Satan, son rôle est de briller, de captiver, de nous immobiliser pour que nous laissions faire. Pas par Dieu, mais par Satan ou les siens. Et à partir de là, la conséquence, c'est que nous sommes pénétrés par cette lumière satanique, vidés par la force d'accompagnement par rapport à cette lumière satanique. Et nous savons qu'il y a une grande différence entre les deux types de lumière, la lumière de divine et à Dieu accompagnée des gens de paix, de ceci ou de cela, a toujours en elle la notion de discernement, la notion du pur, la notion de sagesse et autres, et on sent qu'on grandit. Alors que lorsque nous sommes enveloppés par la lumière de Satan, la lumière entre parenthèses, c'est plutôt un éblouissement beaucoup plus violent qui nous pénètre, qui nous subjugue, qui nous vide. Et là, en une fraction de seconde aussi, elle nous vide et nous laisse épave. Alors qu'en une fraction de seconde, la lumière de Dieu nous remplit et nous sortons de cette fraction de seconde avec beaucoup de joie, avec beaucoup de paix, beaucoup de puissance. Donc, le temps est le même, mais les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. L'autre, quand c'est la lumière de Dieu qui nous illumine, à la fin, nous avons l'impression d'être rassasiés. Pas l'impression, nous nous sentons pleins. Ça dit, c'est la paix de Dieu dans la joie et dans la grâce. Alors que de l'autre côté, comme l'objectif, c'est juste comme la lumière d'une caméra, non? C'est-à-dire un faisceau de lumière qui pénètre et puis ça éclaire juste pour que l'autre, la force d'accompagnement, nous vide. Alors que dans le cas de la lumière de Dieu, il y a éclairage, certes, mais nous sommes pénétrés, remplis et on ressort avec un plus qui nous illumine, qui nous donne beaucoup de joie et beaucoup de paix. Je crois qu'il ne faut même pas beaucoup d'entraînement pour sentir que la lumière, la fausse lumière, nous vide et prend, nous vide. On est juste ébloui, pénétré, vidé. Alors que l'autre lumière nous oblige, dans certains cas, nous pénètre, oui, nous remplit, oui, nous renfort, oui, beaucoup plus joyeux, oui, et même dans certains cas, nous guérit, comme c'est dit dans le thème. Merci, Amen. Bonjour, Silo, bonjour, apôtre. Bonjour. Oui, mais bon, il faut avouer que les uns et les autres ont déjà beaucoup touché le point, donc je me préoccupais à cela. Mais je voudrais également encore savoir davantage, ici où on dit il faut avouer quel secours celui qui l'utilise s'il n'est suffisamment élevé spirituellement. Parce que
tout à l'heure, vous avez expliqué là que cette lumière blanche, quand elle s'invite à nous, ce n'est même pas nous qui l'invitons. C'est parce qu'il vient quand il sent que le besoin est nécessaire. Il vient quand il sent que le besoin est nécessaire. Et maintenant, je dis cela parce que nous, par exemple, dans cette antenne, quand nous travaillons, ma chef d'antenne et moi, il nous arrive parfois à peur qu'on assiste des cas durs, les personnes les posséder et les envoûter là. Et après cela, il y a vraiment résultat. Il y a le résultat. Mais après, on va se sentir tellement secoué, ou bien même après la journée, on se sentira tellement épuisé. Est-ce que c'est parce que cette lumière s'est invitée à nous et nous a amené dans... Silo, en réalité, c'est à défaut qu'on est épuisé après qu'on ait délivré un démoniaque. Je dis bien à défaut. Jusqu'en réalité, effectivement, la lumière pénètre dans le monde des symboles, prend l'énergie spécifique, remonte dans le monde conventionnel, prend ce qu'il faut dans le monde conventionnel pour compléter ce qui vient du monde des symboles. Et à ce moment-là, la synthèse du monde, des éléments du monde des symboles et du monde conventionnel est maintenant pétrie par le souffle qui vient des cieux. Et à ce moment-là, on a un état complet qui nous pénètre, nous habite facilement. Mais quand on n'est pas encore bien entraîné, ou bien si on n'a pas reçu les éléments du monde des symboles, c'est-à-dire sous la terre, les éléments du monde conventionnel, ça peut être telle herbe, telle ceci, tout cela. Et puis maintenant, il y a le souffle ou les essences ou les éléments ou la lumière qui descend dessus, pénètre les deux éléments. Et à ce moment-là, ce n'est plus nous. Comme même Paul le dit, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui est en moi, qui agit désormais. Et aussi, on peut parler aussi des problèmes de fréquence. Puisque nous sommes dans cette salle, si on met une œuvre pas mal à haute tension, dans cette salle, ça va être nous secouer. Puisque c'est parce que la lumière est tamisée, transformée, modulée, que nous pouvons la supporter. Mais si ça vient sous sa forme brute, nous serons secoués. Et c'est normal. Mais nous devons savoir maintenant, par la suite, même si ça repose comme ça, mais quel que soit la personne, même des internautes qui nous suivent doivent savoir que sans les règles de la nature, quand tu suis quelqu'un qui a besoin d'un dosage, disons de 13, la nature nous envoie au moins un dosage de 100. Pour que tu utilises 13, puis si tu ne sais pas, tu vas seulement toucher une seule personne. Si c'est 13, si c'est 13 plus de 100 personnes, ça fait 1300 ans. Mais quand la nature nous donne, elle nous donne au moins le double de 1300, puisqu'en réalité, il est vrai que même les parapsychologues et les autres savent que les magnétiseurs savent que quand tu fais des passes magnétiques, à la fin, effectivement, tu as dépensé, non? Il faut du temps pour récompenser. La personne doit se reposer, doit bien dormir, doit boire un peu, doit des jus, des fruits, pour récupérer. C'est comme un donné. Quand tu as fini de donner, on te demande de te reposer. D'abord, on t'alimente. Pour récupérer, mais avec la lumière originale, c'est totalement différent. Puisque c'est du tic au tac en fraction de seconde, tu reçois et tu réagis. Juste, tu reçois et tu réagis. Et à ce moment-là, vous devez savoir que vous avez eu à me recevoir plusieurs fois
Et vous avez toujours eu à constater que même si à la fin je dois me reposer, je ne me refuse pas, ne me repose pas parce qu'il y a le vide. Non, je me repose tout simplement parce qu'il faut méditer, faire la synthèse, le compte rendu de ce que nous avons fait. Je crois que vous comprenez la différence. C'est-à-dire, après ce travail, après cette séance, je dois faire la synthèse en vue du compte rendu à Dieu ou à l'équipe de la transfiguration. Et nous devons avoir aussi à éviter un certain type d'émotion. Et puis la personne est là, elle bavarde, elle s'agite. Vous ne savez pas que vous devez donner l'ordre à la personne. Si vous ne le savez pas, sachez que quand Ayam Deokatye Kodengi, de l'extérieur, pas de l'intérieur, bien sûr, quand on avait commencé le stylo, j'avais senti que certaines personnes, un message était tombé même. Mais je me suis dit que tu t'agites, ça change quoi. Ce n'est pas le fait de t'agiter et tomber qui te guérit. Puisque tu vas voir la même personne, trans premier jour, trans deuxième jour. Trans, troisième jour, je me dis que non, si c'est un certain nombre de jours de trans pour un résultat pas évident, mieux vaut que quand tu commences à t'agiter, je te parle doucement, pas en rodant, parce que si tu grandes, la personne va continuer à s'agiter, mais un calme intérieur dans la discussion, tu lui dis, calme-toi, toi, la personne va se calmer et recevoir. Mais quand la personne a l'émotion, tu as l'émotion, tu t'attends à quoi ça? Tu vas te vider. Tu vas te fatiguer. Ne serait-ce que l'excès de l'émotion, ça va te surmener, ça va te fatiguer. Et par conséquent, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et savoir aussi que nous devons diriger, orienter l'énergie qui sort de nous. Nous avons déjà la maturité. En face du vrai, je ne veux pas que la personne s'épuise et la personne va s'appuyer, je ne veux pas qu'elle tombe, elle ne tombera pas, je ne veux pas qu'elle s'agite, elle ne s'agitera pas, mais avant cela, il faut déjà arriver au niveau de la volonté de puissance. Si tu n'as pas la volonté de puissance, tu vas t'agiter, tu risques d'agiter pour ton malade, c'est ça qui pose ça. Mais on vous donne la possibilité de recevoir progressivement la délégation de pouvoir pour doser l'énergie que vous échangez pour quelqu'un. Merci. Amen. Bon, dernière, les deux dernières réactions. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Plus c'est la lumière, on parle de la lumière blanche. Et le premier nous revient à c'est un des particuliers de souffrance. Et ça rentre encore ici en bas, ça dit sois pur et sera ton allié. Maintenant, ça monte, on monte encore ici en haut, on nous dit il faut avoir qu'il est et forme un avec l'unité, l'unicité en personne. Papa, je pose la question, est-ce que ce n'est pas Dieu? Puisqu'on parle de la lumière blanche, on tourne autour, est-ce que ce n'est pas Dieu qui s'est invité à notre sœur de diriger cette terre? Amen. Oui, disons que là, ce sont des caractéristiques plus en haut, on t'a dit, c'est une des particularités. En bas, pour l'inviter, soit pur. Mais ce n'est pas encore au niveau de Dieu. Pour avoir certains avantages de Dieu, épouse, c'est la vraie réponse pure, sans démagogie. Puisque nous voulons bénéficier de Dieu, chercher la salaire. On se comprend, non? C'est-à-dire, plus nous voulons bénéficier de Dieu, plus nous devons chercher à lui. Hein? Ceux qui s'aiment véritablement à un moment donné deviennent un. Quand on prend de l'unicité, n'est-ce pas? C'est même quand on fait le baptême, voilà, le mariage, on dit, même dans la Bible, il est dit,
qu'un homme quittera son père et puis son père, sa mère s'attachera à une femme et les deux ne feront qu'un. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu aimes Dieu, plus tu aimes Dieu, plus tu te rends compte qu'à un moment donné, vous, les deux, vous ne vous qu'un. Et on peut dire, la lumière peut être blanche, on peut vous dire, mais vous cherchez trop loin. C'est-à-dire que vous de façon très bien. Vous cherchez trop loin. Pourquoi vous avez parlé, vous? Un échantillon des applications de la lumière blanche, une des caractéristiques de la lumière blanche, vous l'avez. Et devenez, cherchez à se rassembler à cette personne et vous aurez en permanence la lumière blanche. Et si vous aurez en permanence de la lumière blanche, vous agirez, vous guérirez même la folie, puisque vous parlerez avec autorité, mais doucement à la folie. Et Dieu vous dit, devenez pur et vous irez trop loin, trop loin. Si c'est l'herbe se confiera à vous, si c'est tel, tout se confiera à vous. Tout deviendra votre ami. Même ce qui était par votre ennemi devient votre ami, puisque la notion d'ennemi n'existe plus dans votre conscience. Et à ce moment-là, oui, je peux dire que j'assume. Puisque Dieu, comme fait le contact ce matin, non? Il a dit que bon, je ne vais pas vous traîner trop, parce que votre corps est à 80% animal. Appelons Chacha, votre corps est à plus de 80% animal ou animalier. Par conséquent, ça vous fait perdre du temps. Mais désormais, je vous apporte d'être de l'harmonie et d'être rattaché à l'intent divin et d'être au moins aussi à 80% l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes à 80% au moins de la réalité divine, 80% de la réalité terrestre. Et à partir de là, l'animal va se sentir mal à l'aise, c'est pas à force de gêner, mais c'est le conditionnement qui fait de vous un être pur, un être sain, un être qui est rempli de la lumière blanche. Merci, Amen. Bonjour, Silo. Bonjour, Père. Bonjour. Il est dit, elle est une interférence contre la véritable magie noire. J'avais une question par rapport à cela. La véritable magie noire, nous avons tous entendu parler de magie noire. Mais je suis également sûr que nombre d'entre nous ne connaissons même pas de quoi il s'agit véritablement. Et si je relis bien cette partie, on dit comme la véritable magie noire. Est-ce donc une signification que il y a plusieurs types de magie noire? Et maintenant, la véritable magie noire, comment reconnaître ses manifestations et y faire si déjà la lumière blanche est une interférence, alors qu'elle a de façon sous-noire tout autour de nous. Comment reconnaître les manifestations de cette magie noire? Qu'est-ce que cela signifie véritablement, la véritable magie noire? C'est quoi cette magie noire-là? Merci. Ouais. Vous savez qu'il y a plusieurs types de magie, non? On va dire, prends cette bijou, prends cette bague, prends ce toit d'oignon, tu as la magie, mais c'est des petites formes de magie. La véritable magie noire, puisqu'on qualifie, il y a là aussi la magie positive, non? Dieu aussi, ça n'a pas de magie, mais pas, ça n'a rien à voir avec la magie de Satan. La véritable magie noire, c'est celle qui est la volonté et la volonté de Satan. Et cette véritable magie noire, elle nous atteint en vue de la destruction. Et nous devons savoir que quand la magie noire sombre, puissante, négative, à l'excès, se déploie, ce n'est pas pour notre bien. C'est pour nous détruire. Et la seule l'antidote pur et dur par rapport à la magie véritablement noire, ce n'est que ce qui vient de Dieu.
c'est la parole de Dieu, accompagnée du souffle de Dieu, accompagnée de l'énergie divine. Et on sait dans ce cas-là que, oui, comme quelqu'un l'a dit, comme votre âme, tu l'as dit, est-ce qu'il n'est pas question à ce moment-là de Dieu? C'est-à-dire, effectivement, des niveaux où, de l'autre côté, c'est Satan pur et dur. De l'autre côté, c'est Dieu pur et dur, et c'est réservé aux hommes mûrs. C'est pas pour les débutants. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce niveau aussi dire que c'est pas une affaire de débutants. Au niveau de la véritable magie noire, on n'a pas affaire aux débutants. Tu sais, si tu t'y frottes n'importe comment, tu risques d'être attrapé, écrasé une fois pour tout. Et par le discernement, par la sagesse, par l'intuition, nous serons face à une situation s'il s'agit de la véritable magie noire. Et c'est pour ça que Dieu peut nous inviter indirectement à comprendre que nous ne devons pas nous attaquer à la magie n'importe comment. Il faut attendre à recevoir la révélation. On a lu, puisque j'ai suivi un homme de Dieu, Moutombo, il rappelait que oui, il y a des niveaux où c'est juste une question d'information. C'est juste un peu de connaissance, mais on doit aller au-delà et accéder à la révélation, et même au-delà de la révélation, la lumière dont nous parlons aujourd'hui, aller en profondeur de la connaissance des choses, et à partir de là, nous sommes touchés à tous les niveaux, comme c'est dit dans le texte, et c'est toutes nos composantes qui sont touchées, et à partir de là, nous marchons à partir. Et à partir de là, ce n'est pas parce que c'est une véritable magie. Si tu as la véritable magie noire, ne réfléchissez pas trop. Toi aussi, à toi, la possibilité d'avoir la véritable magie de Dieu. Ou bien si le terme magie vous fait peur, la véritable énergie qui vient de Dieu et qui est susceptible de poursuivre la véritable magie noire. Et on savait là, on sait là que c'est pour des hommes mûrs, c'est pour des femmes mûres. Et lorsque nous allons atteindre ce niveau-là, nous ne tremblerons plus. Et pour ne plus trembler, Dieu nous a fait grâce en nous donnant l'occasion. Si nous étions jusqu'à tôt ce matin à 80% impurs, maximum 20% de pureté, et nous inverse le processus. 80% des éléments qui viennent de Dieu, 20% maximum des éléments qui viennent de l'autre bord, et à ce moment-là, il n'y a pas marche. Et vous savez que c'est dans cette condition qu'on peut dire il n'y a pas marche. Parce qu'on est 24 heures sur 24 à Dieu à ce moment-là. Merci, Amen. Bon, c'était la dernière réaction par rapport aux questions. Je vous remercie pour cette différente question qui prouve que vous avez eu intérêt à participer et vous avez participé, même la partie qui n'a pas été enregistrée. On a senti l'engouement, on a senti le dévouement, on a senti la profondeur de la participation. Et ça même qui fait la différence, et c'est ça qui fait même qu'après même cette retraite, quand nous allons rentrer à notre base, on va rentrer davantage dans la participation. Parce que si nous nous comportons comme dans l'église ordinaire, au début à la fin, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de question, non, ici. Et maintenant, il y a plusieurs sensibilités, plusieurs réactions par rapport à ces sensibilités. Et à la fin, personne ne dira qui les soit rentré comme un menu, et c'est cet engouement, cette partition. Puisque Dieu vous a récemment reproché de ne pas partager suffisamment les échanges. Il faut être déjà dans les échanges, il faut recevoir, il faut corriger ce qui va être corrigé. Donc, on s'apprête sans transition maintenant par rapport à la grande prière. Non, ça peut être pour la première.
vraiment Dieu, pas la substance de l'énergie IZK, ou pas la quintessence de la flamme en 13, 14, 15 dans le défini absolu. Nous savons qu'ici et maintenant, tu es en train de descendre l'énergie dérivant de la loi de semblable, l'énergie de la transubstantiation, l'énergie de la paix et de la grâce, l'énergie pénétrante qui nous filtre, qui nous vidange, et l'homme du souffle étrema TK13 est Dieu. Me demande de le laisser faire, il illumine puissamment de son être et étrema l'énergie naturelle, l'énergie de départ. Il tréma l'énergie français illuminée à outrance par le souffle saint, en Dieu et pas Dieu. Oui, t'es qui donne à la sœur appelée du temps passé, présent et futur. Et Dieu établit le passé, le présent et le futur dans une rotation, dans une énergie de symbiose. Et avec la rotation maximale, Dieu dit Z, Z, I, Z, I, Z, I, T, K, C, ainsi de suite. Et la combinaison des données de la Kabbale nous donne de fusionner avec le temps. Et en fusionnant avec le temps, nous pouvons être au cœur de la réalité de la béatitude au temps où la première essence végétale a eu lieu. Et à partir de là, le nous, de notre verbe, de notre silence, de notre paix, nous rappelle qu'en tout temps, en toutes circonstances, nous devenons des êtres de lumière et en ayant accès au cas de l'énergie cosmique, Dieu nous rappelle ici et maintenant que par le sutra de l'énergie de notre verbe, de nos intestins, de nos entrailles, nous avons la possibilité d'avoir l'ouverture de notre mémoire, à savoir le thermostat de notre être, au niveau de nos entrailles, nous entrons en profondeur dans le monde de symboles ABC jusqu'à A. Et ce monde de symboles avec ses subdivisions nous rappelle qu'à un moment donné, il nous arrive à certains temps où les faisceaux de l'énergie qui commence la lumière blanche et autres nous tapotent amoureusement et passionnement les deux épaules. Et nous sentons véritablement que le verbe de notre réalité partant de la réalité de notre glande pinéale, de la réalité de notre corps, de la réalité absolue de nos vertèbres cervicales, en va et vient, s'imprime une rotation multidimensionnelle. Elle, vous, de notre être, de notre verbe, nous reconditionne que nous ayons en nous l'accès au monde de symboles purs et durs, au monde de la connaissance et de la grande spiritualité, au monde conventionnel. Et cette prière se condense ici et maintenant en sept aspects. Le premier aspect, je dois dire oui à mon Dieu, je dois s'ouvrir à mon Dieu et ne dois pas avoir honte de la merde que Dieu tirerait de mes entrailles ou de toute autre partie de mon corps. En deux, le oui significatif est un ingrédient inoubliable. Si je dis oui à Dieu, je le dis véritablement, et en ce moment-là, j'exprime ma véritable nature, je peux être artiste,
temps, il faut battre le tam-tam, il faut faire ceci ou cela, ou bien il faut faire un tour dans la nature, dans le verger céleste, en trois. L'opinion et la nature nous rappellent ici que notre opinion compte, mais notre opinion pour compter véritablement doit sortir comme un seul dame de la monnaie et de la grâce. En cadre, Dieu nous signifie que l'élément haut, en comptant avec les souffles et la lumière condensée, nous donne toujours d'être prêts et la vibration de nos particules. Combinant avec l'éther primordial, nous permet d'être ceux-là qui ont dit oui à l'état à Dieu, oui au réellement, oui à la lumière, oui à la paix, oui à la grâce, et notre tonus devient un souffle et une puissance à large spectre. En cinq, Dieu nous rappelle, oui, qu'à la mort de Jésus-Christ, qu'avant la mort de Jésus-Christ, il y a eu l'Église. Ça, on a dit qu'il y a de temps, mais pas de temps de particulier, dont le signifiant rappelle l'origine du souci, le temps où notre souffle se singularise dans la lumière noire et explicite notre vie, notre puissance, notre grâce. Et en six, Dieu nous donne d'avoir à marquer 9 temps d'arrêt avant d'atteindre les profondeurs du monde. Symbole, et à ce moment-là, le vous, de la réalité céleste, combinant les données avec les données de la Terre et de la Lune, de Jupiter et autres, nous donne des niveaux serpentaires. Et la vitalité de notre être nous rappelle qu'en ce matin, Dieu a touché notre disque dur et nous rare de visiter le substrat de l'énergie en soi. Et en 6 et 7, Dieu combine mes énergies, vos énergies de telle sorte que vous ayez, vous aussi, la capacité de croire la mère qui était en vous. Amen. La capacité de fructifier l'énergie positive, la capacité d'atteindre l'aurore de l'instant céleste, la capacité de redevenir le souffle de la transubstantiation. Et dans l'harmonie et dans la grâce, nous avons vécu de la cabale céleste et pas l'énergie de la chimie, pas seulement la transmission de l'énergie qu'on fait en nous, la capacité de transférer à ce métal vil, la nature du soufre originel, la nature du verdier originel, la nature du soufre et du disque d'or, la nature de la quintessence de l'énergie de l'esprit, et Dieu implante lui-même dans notre fontanelle, 17 rayons, 17 faisceaux de lumière qui combinant avec les 17 strates de la nature, du champ magnétique universel, et doucement, en temporisant, en allant en profondeur, une fois de plus, Dieu rassure tous ceux qui sont ici présents, en commençant par Maui. Le verbe s'est fait chair. Amen. Et le verbe qui s'est fait véritablement chair a une capacité extraordinaire de chevaucher, pourquoi pas, le lion. Et si dans la famille de Marie, que ce soit du côté paternel ou maternel, il y avait des êtres animaux qui se croyaient indominants de capter l'énergie spécifique qui fait de nous désormais des êtres de lumière. Des êtres de lumière et par notre ectoplasme qui a le souffle du dîner céleste, qui a la réalité de l'harmonie et de la grâce, Dieu me rassure que cette prière à l'allure d'un enseignement est tout de même
a été pénétrée par cette lumière, et tout comme chez elle, Dieu parle souffle. Il tremble, parle de votre fontanelle, touche votre environnement immédiat, vos yeux s'ouvrent. Vos yeux s'ouvrent véritablement. Amen. Sur la lumière, sur le souffle et sur la puissance. Et Dieu, désormais, 24 heures sur 24, chaque jour, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, vous attend. Et votre oui profond sera valable. Amen. Car il recevra l'énergie K qui s'estimera puissante de l'énergie cosmique. Et rien comme